chez nous, dans le village de Ludon, dans l'Eure-et-Loire, des phénomènes surnaturels ont été rapportés dans la nuit du 24 au 25. Des agriculteurs de la région ont eu la mauvaise surprise de découvrir à leur réveil des agroglyphes ou crop circles. Tout de suite, je vous propose de découvrir le reportage de Thibaut Minier et Fabrice Libert. Vu du ciel, l'agroglyphe frappe par la précision où l'origine de notre agroglyphe reste. Mesdames, messieurs, bonjour. Retour sur l'affaire des crop circles du village de Ludon dans l'Eure-et-Loire. D'après les premiers éléments de l'enquête, tout prête à penser qu'il s'agirait en fait d'un canular. La suite des explications en images.